Bonjour à tous. Suite à une requête caisse, je fais une vidéo pour expliquer comment utiliser un logiciel de montage qui s'appelle Camtasia Studio 2019. Je vais également parler de Sony Vegas Pro 17. C'est un logiciel professionnel de montage également. Mais là, moi, je me sers que de Sony Vegas pour mes intros. Et ensuite, je fais le montage sur Camtasia. Donc là, c'est juste pour un exemple. Donc il faut télécharger Camtasia, soit le craquer ou soit avoir. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. L'installer sur son PC. Après, si vous voulez, Sony Vegas, vous pouvez le télécharger aussi sur Internet, sur YouTube, le craquer, etc. Une fois que vous l'avez installé, vous ouvrez en News Project. Donc vous pouvez. Par contre, j'ai beaucoup travaillé sur Camtasia Studio 8 et là, Camtasia Studio 2019, il y a beaucoup de changements, mais ça reste bien. Donc, on va dans Vidéo. Donc, on va chercher nos vidéos. Par exemple, si on a des vidéos coupées ou des photos, par exemple. Moi, je vais vous mettre, je vais faire un petit montage vidéo pour commencer, et après je ferai un montage photo. Donc, je vais prendre la vidéo là, elle dure 15 minutes, donc on va faire des retouches ensemble pour, donc voilà. Et je vais également faire une petite intro comme ça, vous pourrez voir le fonctionnement. Comment faire une vidéo et comment la mettre sur YouTube et comment la monter surtout. Parce que c'était vraiment la demande de caisse en ce qui concerne des photos, ajouter des textes, etc., etc. Donc là, une fois que vous avez ouvert votre vidéo que vous avez sur votre PC, donc soit en AVI, soit en MP4, ou soit plusieurs vidéos, vous pouvez. Là, vous avez la visualisation. Donc là-dedans, vous allez pouvoir. Voir votre vidéo en temps réel et ici vous avez le framerate. Donc une fois que votre vidéo est dans le media bin, vous la glissez dans le track 1. Donc et après vous la glissez dans le track 1. Donc vous la sélectionnez, vous la descendez dans le track 1, vous la remettez au début. Et donc là on peut lancer la vidéo. Donc si on avance. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Bonsoir à tous. la vidéo en fait c'est quelques secondes avant la vidéo qui vient s'ajouter à la vidéo au début. Donc par exemple, J'ai fait une petite promotion pour un serveur. si vous voulez que la vidéo dure moins longtemps, vous pouvez augmenter la rapidité de la vidéo. Donc il suffit de cliquer droit sur le track 1, de faire ADD Clip Speed. Voilà. Et là vous avez le clip speed. Vous pouvez modifier le clip speed, comme vous voyez ici. Donc là, vous voyez, votre vidéo, elle dure 15 minutes. Si admettons, vous mettez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre? 10, elle dure 1 minute. Vous voyez, mais c'est vraiment. Elle dure 3 minutes. Elle dure 15 minutes. Si vous changez par 2, elle dure 7 minutes. Mais bon, après, faut bien jauger par rapport aux voix, etc. Et vous pouvez également supprimer le clip speed. Donc, juste en faisant un clic dessus et la touche supprime du clavier. Donc maintenant, je vais vous montrer comment couper certaines parties de vidéo. Bonsoir à tous, j'ai fait une petite promotion pour un serveur. Vous pouvez bouger, vous pouvez avancer la vidéo minute par minute, seconde par seconde, à votre aise. Donc par exemple, je vais couper, je sais pas moi, on va couper en plein milieu de la vidéo, on va couper. Donc, vous voyez là, il y a un bouton rouge et un bouton vert. Donc, vous mettez où vous voulez couper.
au démarrage de la coupure, et après vous glissez jusqu'à l'endroit de coupure finale souhaité. Donc par exemple, on va couper tout ça. Donc ça veut dire que ça ne sera plus dans la vidéo. Vous faites supprime et ça supprime. Ensuite, vous prenez, vous voyez là, il y a un trou, donc il faut faire ça pour rapprocher et synchroniser la coupure. Donc par exemple, je vais aller là. DX9, c'est vraiment complet. Vous avez gagné. Donc c'est pareil pour voilà, c'est ça du montage vidéo. Vous pouvez couper les vidéos en plusieurs parties s'il y a certaines parties que vous voulez pas ajouter. Par exemple, pour ajouter du texte, vous allez tout simplement Bonsoir à tous, donc j'ai fait une petite promotion pour. voilà. Donc nous allons aller dans annotation. Et dans annotation, en fait, vous allez pouvoir ajouter différents textes, différentes choses. Donc après, à vous de regarder un peu les possibilités que vous pouvez faire en termes de montage. Donc pour la vidéo, on va mettre ça. Voilà, on va le mettre ici. En fait, ça vous permet de mettre un texte dans votre vidéo. Par exemple, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier la fonte, la couleur, vous pouvez vraiment tout modifier, la dimension. Voilà quoi, vous pouvez par exemple, je vais marquer, attends, je vais marquer Last Chaos Infinity. Voilà, vous pouvez aussi régler également, donc vous sélectionnez, voilà, vous pouvez déplacer où vous le souhaitez. Donc, par exemple, on va mettre ça là. Vous pouvez régler combien de temps va apparaître le texte dans la vidéo ou soit dans les images souhaitées. Donc par exemple, on va pas le mettre longtemps parce que là ça fait un peu long. Donc par exemple, on va juste aller ici et on va réduire considérablement de manière à ce que. Tous, donc j'ai fait une petite promotion pour un serveur de qualité qui s'appelle Infinity Las Carros. Par exemple, vous le déplacez, vous l'agrandissez, et bah Promotion pour un serveur de qualité qui s'appelle Infinity Las Carros. Donc vous pouvez aller sur le site avec lascaros-infinity.com. Vous pouvez également améliorer le son de votre voix, de votre vidéo, parce que moi personnellement j'utilise des écouteurs, donc mes vidéos ne sont pas de très haute qualité. Donc vous allez tout simplement dans votre vidéo, donc vous sélectionnez le track, donc vous sélectionnez le track, vous voyez là. Bonsoir à tous. Donc je vais ici, et là vous voyez là vous pouvez augmenter le gain. Donc par exemple, on va J'ai fait une couper. petite promotion pour un serveur de qualité qui s'appelle Infinity Las Carros. Donc vous pouvez aller sur le site avec lascaros-infinity.eu. Le lien sera dans la description. Vous pouvez également, Il y a également un disque. là je le monte au maximum. Vous pouvez le réduire. Voilà, on va le réduire. Après, Vous créez un compte, vous téléchargez. Le level maximum, c'est 220. ça va vous permettre de, par exemple, si vous avez des bruits en arrière-fond, une télé, un enfant qui pleure, ou voilà, faites noise removal. Donc ça va vous permettre, par exemple, écoutez, Comme vous pouvez le voir, il y a. il y a des petits sons en arrière. Je vais glisser noise removal sur ma vidéo, donc ici, et 173 joueurs en ligne. vous avez vu, le son a changé. Il est plus net. Donc après, vous pouvez jouer sur la sensitivité des noises, comme le pourcentage que vous voulez. Vous pouvez également faire fade in, audio compression, etc. Donc vous pouvez ajouter tout à la suite et tout modifier. Donc voilà, j'ai ajouté audio compression. Écoutez. Plus de 616 joueurs sur les dernières 24 heures, 8 000. Voyez, et là, si je remove, si je j'enlève noise removal. Compte de créer. Le serveur a quelques mois. Il est. Donc voilà, donc
Après, si vous voulez faire des animations, vous, j'ai pas trop fait ça, mais vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, par exemple, des transitions. Vous pouvez faire des transitions. Par exemple, je sais pas moi, vous allez dans transition, vous sélectionnez, vous regardez, vous visualisez, slide late. Hop, vous placez ça là. Ça va pas se placer. J'ai jamais utilisé ça encore. Parce que moi, je fais juste des montages vidéo, des coupures, de la modification d'audio, de manière à avoir le meilleur son possible. Mais sinon, voilà. Enfin, voilà. Et donc là, on va passer sur un nouveau projet. Ça va être avec des photos. Donc, pareil, vous importez des médias, donc vous importez des photos. Non, on va aller dans. Je vais faire des photos, voilà. Donc, ne faites pas attention aux photos. Donc, par exemple, je vais prendre ma pipe, je l'ajoute. Ensuite, je vais dans le dossier si je veux ajouter plusieurs photos. Donc bureau, voilà. Voilà, je mets ça. Je mets ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On va mettre celle-là. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, je décide sur quelle photo je vais démarrer. Donc par exemple, moi. Ensuite, voilà. Voilà. Et voilà. Donc on est parti sur quatre photos. Donc après, vous pouvez réduire les photos en fonction de comment vous voulez comment vous voulez comment expliquer. Parce que, désolé, c'est de l'improvisation totale. Vous pouvez réduire de manière à ce que les photos défilent plus vite. Vous pouvez également jouer sur la rapidité de la photo pour que ça passe plus vite. Par exemple, si je réduis, donc par exemple, je prends la photo 1, je la réduis. Je prends la photo 2. Je la réduis, je prends la photo 3, je la réduis, je prends la photo 4, je la réduis. Voilà. Et vous voyez que ça change beaucoup plus vite. Après, c'est à vous de jauger. Donc après, vous pouvez ajouter une musique, par exemple. On va le faire tout de suite avec une petite musique. J'ai pas énormément de musique, mais bon. Sur mon PC, donc vas-y, on va mettre, je sais pas moi, ça dure 1 minute. Allez hop, on va mettre ça dans le média. Hop, David Guetta. Après, vous allez dans annotation. Vous allez, je sais pas moi, dans transition. Je sais pas. Par exemple, vous pouvez. Je pense que ça doit marcher avec des photos, ça. C'est à tester. Donc on va tester. ADD to Select Media. Voilà. Donc vous cliquez droit dessus et vous faites ADD to Select Media. Et en fait, vous sélectionnez la photo sur laquelle vous voulez l'animation. Par exemple, on va mettre ça. ADD to Selected Media. Voilà. Vous allez dans celle-là. On va faire quoi? Dissolve. Bah vous faites ADD to Select Media. Et maintenant toutes mes photos ont des animations différentes en fonction de d'ici. Donc après vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous relancez votre vidéo et vous pouvez voir que là il y a quand même un petit montage de fait, qu'il y a des photos qui changent. Donc après si par exemple vous voyez vos photos vous les aimez pas au niveau de la dimension. Vous faites juste une pause, vous attrapez vous cliquez dessus et vous agrandissez le canevas. Donc voilà, voilà, et voilà. Donc on fait pareil avec les photos qu'on recherche. Donc voilà, tac, 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 tac. Donc par exemple, si celle-là, je veux l'agrandir comme ça, je l'agrandis comme ça. Je peux faire des transitions en fait.
Et je peux, même dans les transitions, je peux ajouter du texte, je peux mettre un curseur. Il y a vraiment beaucoup de choses. Après, moi, je vous invite à regarder sur Internet différents visual effects, par exemple. Drop Shadow, Color Adjust, ADD to Select Media. Donc, je sais pas c'est quoi ça. Clip Speed. Non. Il se passe quoi ça? On va regarder. Voilà, par exemple, Colorize, ça m'a permis de mettre ma photo en noir et blanc. Et après, si par exemple il y a des modifications que vous voulez annuler, vous avez juste à aller dans Edit en haut et faire une Do, et vous retrouvez vos photos dans le truc souhaité. Bon, ensuite, une fois que vous avez fini votre montage, que vous êtes bon au niveau de la musique, au niveau de l'audio. Tiens, en parlant de musique, faut peut-être que je mette la musique. Donc on va mettre la musique. Voilà. On va relancer la vidéo. Et là, vous en mono. J'augmente le gain. Vous pouvez être soit en stéréo, soit en mono. Donc la petite vidéo là, c'était pour vous montrer un peu comment on fait des montages avec Camtasia au niveau de des photos ou des vidéos. Donc voilà, caisse, hein, si tu regardes la vidéo. Maintenant tu sais comment faire tes petits montages photos pour anniversaire, etc. Donc après, quand vous avez fini, vous pouvez sauvegarder votre travail, donc votre montage, qui va se sauvegarder en MP4 ou en ce que vous voulez, en local file. Donc ça veut dire que ici vous pouvez sélectionner MP4 avec Smart Player up to 720p, ou c'est au niveau de la qualité HD. Donc par exemple, on va faire ça. On va pas faire avec Smart Player. MP4 en 1 60 HP, on va faire suivant. Vous mettez le nom, par exemple, nous. Hop. Faites terminer. Et là, c'est en train de rendering. Donc je vais pas le faire parce que en fonction du montage que vous faites, du travail que vous faites, ça prend plus ou moins de temps. Et vous avez aussi la possibilité de faire directement relier votre compte YouTube. Vous pouvez relier votre compte YouTube directement sur. Donc par exemple, moi je suis connecté avec Question Lascaros, donc vous mettez le nom, etc. Blablabla. Vous faites terminer, et en fait ça va compiler votre vidéo plus la mettre en ligne sur YouTube. Donc c'est un bon moyen de faire des vidéos. Donc voilà. Donc maintenant, en fin de vidéo, je vais vous parler de Sony Vegas Pro 17. Donc, par exemple, si vous voulez faire des intros. Attends, elle dure combien de temps la vidéo là? Ça fait 18 minutes quand même, hein. Ouais, bon, allez, on continue, hein. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, on va aller sur Internet. En fait, sur YouTube, vous allez taper Sony Vegas Pro, vous le téléchargez, vous le licencez, etc. Vous faites ce que vous voulez. Donc, après, je vous conseille une chaîne qui s'appelle RKMFX. Donc, c'est un mec qui propose. Par contre, faut s'abonner. Faut s'abonner pour pouvoir débloquer les téléchargements. Donc, par exemple, on va faire un truc basique, hein. Je vais pas chercher. Sinon, vous avez plein Vous avez envie de de créer un site plugins de web? choix. Donc, Et si vous rejoignez les 14 000 étudiants qui suivent voilà. déjà mon cours de Donc, développement vous web faites sur Sony Udemy Vegas pendant Pro. plus de 37 ans? Voilà. Donc là, vous pouvez voir que sur ce site, vous pouvez avoir des templates gratuitement pour Sony Vegas Pro 14, 15, 16, 17. Et ici, vous pouvez voir l'aperçu. Vous pouvez attendre 30 secondes pour débloquer le lien de téléchargement. Donc, on va regarder vite fait. Là, ça c'est. Vous pouvez jongler sur les mois, les années, etc. Vous pouvez regarder vraiment les templates. Après, il y a d'autres choses, hein. Donc là, par exemple, on va télécharger celui-là. Donc vous voyez là, clic R. Ok, vas-y, on télécharge. Bon, je crois que ça va mettre un peu de temps, cette merde. Non, ça va. Et pourtant,
l'archive, vous la... Bon, bien sûr, au préalable, vous aurez installé Sony Vegas. Enfin, ça, c'est uniquement si vous voulez faire des intros professionnelles sur Sony Vegas pour agrémenter vos vidéos, blablabla, quoi. Donc, par exemple, vous avez, là, par exemple, ce que j'ai téléchargé, j'ai deux choix. J'ai soit la couleur jaune ou soit la couleur bleue. Donc, moi, j'aime bien la couleur bleue. J'aime bien la couleur jaune. Donc, je vais prendre la couleur bleue. Donc, vous cliquez deux fois sur le fichier VEC. Et après, il va falloir attendre un certain temps pour que le logiciel Sony Vegas Pro 12, Pro 17 se lance. Donc, on se retrouvera quand il sera lancé. Donc là, c'est l'initialisation. Il y a plusieurs étapes. C'est un logiciel qui demande quand même un beau PC. Enfin, je veux dire un bon PC, pardon. Et de manière à se pouvoir travailler dessus correctement. Finalement, je ne vais pas faire de coupure dans cette vidéo. C'est du freestyle. C'est quoi? On est dimanche, on est le 1er décembre. Dans 23 jours, c'est Noël. Voilà Donc là, bon bah il dit que y a des failles qui sont missing, donc on va faire ça. Donc ouais bah comme de par hasard, j'ai téléchargé un truc qui marche pas quoi. Donc on va essayer l'autre. Et puis si c'est pareil. Donc voilà, celui-là, le jaune il fonctionne, le bleu il fonctionne pas. Donc là, vous faites play, c'est comme dans. Vous faites le petit zoom. Vous faites ça. Non, pas ça. Le petit zoom, et en fait, voilà, ça va vous permettre de zoom. Et par exemple, ici, vous allez pouvoir modifier le nom. Donc, par exemple, vu que cette vidéo, c'était à case, hein, je vais marquer case. Case, vous allez un peu plus loin. Un peu plus. Attends, non. Donc déjà on va rapprocher ça là parce que ça me plaît pas. Voilà. Éditer Generated Media. Voilà. Et donc si on fait play. D'accord. La vidéo marche plus ou quoi là? Ouais bon. Il y a pas mal de files dans cette vidéo. Ça me plaît pas du tout. Donc mettre pause. Pas trop. Je l'utilise juste pour ça justement. Donc après vous faites play. C'est pas un petit logiciel. Donc après vous pouvez voir différents textes. Par exemple là nous avons tech machin. Donc après vous mettez votre site, hein, par exemple Lascaux Développement. Lascaux Développement. Peu importe. .com. C'est un truc bidon. Hein. Vous remettez votre vidéo. Voilà, on remet au début. On va pas se remettre au début. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, vous faites render as. Donc file render as. Donc après vous attendez un petit peu. Ça va vous ouvrir un panneau. Et dans ce panneau, il va falloir choisir dans quel format vous voulez exporter votre. Donc par exemple, moi je fais toujours en Internet HD 720p 25 fps. Donc ça ira dans Romain Document, Yellow Particules, vous pouvez renommer, etc. en MP4.
Donc je fais render. Et là, en fait, si vous voulez, c'est en train de faire du rendering. Donc ça veut dire que ça repasse la vidéo en même temps de la compiler. Voilà. Et après, une fois que c'est fini, vous pouvez l'ajouter à Camtasia Studio, la rapprocher, la raccorder à votre vidéo de montage que vous aurez fait au préalable. Et vous pouvez également la tester dans VLC. Donc voilà, c'est terminé. Bon, ça va plus ou moins vite en fonction des durations, des introductions, etc. Donc après, vous allez dans Documents, vous allez dans Yellow Particules, c'est ce qu'on vient de faire. Bon, on peut fermer Vegas Studio. Voilà. Vous l'ouvrez avec VLC. Combien de temps dure la vidéo là? Ah, 28 minutes quand même. Bon, je vais l'arrêter hein, parce que franchement, vous l'ouvrez avec VLC qui regarde une vidéo de 30 minutes aujourd'hui, franchement. Et vous basique. Et après, bah, vous pouvez rouvrir Camtasia, ouvrir votre projet, rajouter le fichier MP4 que vous aurez travaillé dans Sony Vegas, si vous voulez une intro, encore une fois. Et donc voilà. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière, ça n'a rien à voir avec du développement Last Chaos. C'est suite à une demande d'une personne de la communauté. Donc je vous souhaite un bon dimanche et tchuss.